Hello tout le monde, c'est Rage pour un petit tuto sur Call of Warzone. Et là, l'objectif du tuto, c'est améliorer son son sur Warzone. Sur Warzone, le son, il est éclaté au sol. On est tous d'accord pour dire qu'il est éclataxe. Que ce soit les mixages audio minuit, cinéma, boost, boost aigu, boost studio, référence studio. On n'entend que dalle. C'est de la merde. Et ils ont modé ça avec le cul. Ok, comme d'hab, hein, comme le netcode. Bref, bref, bref. Donc là, je vais vous faire un petit tuto. Je vais vous expliquer quel programme télécharger qui est gratuit, 100% gratuit. Ça marche que sur PC malheureusement. Sinon, sur Play, il faut utiliser genre les mix amps, c'est à peu près les mêmes trucs. Mais ça coûte genre 100 balles. Alors que sur PC, bah, ça coûte 2 secondes de ta vie. Alors là, c'est sans le. Vous entendez le mec? On l'entend à peine. Il court là, tu vois. Genre, il. Écoutez. Ok, là c'est des bots, hein. C'est en mode multi, bot personnalisé, partie perso, tu vois. Ok, donc là c'est le jeu éclaté de base, hein. On reconnaît, hein. Genre le mec il court à 2 mètres, on entend que dalle. Ok, donc là, maintenant, vous allez m'appeler papa. Qu'est-ce qu'on fait? On télécharge ce petit bébé, Voice Meter Banana. C'est un mixeur audio. En gros, je l'ai téléchargé parce que je stream sur deux PC. Et en fait, là, t'as le casque et t'as l'audio input que je duplique dans mon casque et dans la carte d'acquisition. Comme ça, t'as le micro qui part sur la carte d'acquisition et le son, tu vois. Comme ça, il y a tout qui part et vous entendez sur le deuxième stream. Bref, c'est gratuit ça aussi. Ça, c'est déjà le premier astuce. Si vous avez deux PC, prenez ça. Achetez pas une connerie qui coûte 100 balles, une table de mixage physique. Achetez ce truc, ça marche très bien. Donc, la petite astuce. C'est dans votre truc où vous entendez le son, là, ici, par exemple, input, ici, hop. Vous mettez. Merde, hop, pardon. Et vous mettez compresseur. Et là, vous entendez la différence? Regardez. Regardez le frigo, là. Est-ce que vous entendez le petit? C'est tout. Je vais essayer de pas parler. Bon, il y a un petit bourdonnement. Et là, vous l'entendez le frigo à côté de moi? Là, je suis à 4. Allez, on va mettre à 3. Et ça, le compresseur, c'est frigo-là qu'on entendait à peine. C'est ce frigo-là qu'on entendait que dalle. Bon, là, c'est des bots, hein. On s'en fout. On va juste essayer. Moi, ce que je veux, c'est que vous entendiez des bruits de pas, en fait. Bon, le problème, c'est qu'ils vont quand même me buter. Donc, là, mon but, c'est de me mettre quelque part, qu'ils me voient pas et qu'on les entende arriver, en fait. On entend vachement les flammes, en fait. Voilà, vous allez me dire, ouais, mais il a un mètre. Mais écoutez comme les bruits sont. Mais là, quand j'ai. Est-ce que vous avez vu la différence, les potes? C'est sûr qu'on les entend pas à 100 mètres, hein. Mais quand tu les. Quand t'es dans le range où tu les entends, tu les entends vraiment, en fait. Et. C'est. C'est dur à percevoir. Mais même tes bruits de pas et tout, ils sont beaucoup plus nets en fait. Tout est plus net avec le truc compresseur. Et je vous invite vraiment à le tester, à me donner votre retour. Je vais vous donner le lien en description en bas de la vidéo. Je vous invite vraiment à le tester, à me donner votre retour si vous avez trouvé vraiment que ça marchait, ça marchait pas. Et si vous avez apprécié ce petit tuto, follow la chaîne. Je ferai des petits tutos de temps en temps quand je découvre des trucs, je vous partage avec vous. Comme le truc du FOV, je vous ai expliqué la différence des FOV. Mais envoyez des follow s'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à aller sur mon stream aussi. Allez, ciao tout le monde.